J'aime pas le bonjour d'entrée, je sais jamais quoi dire. Du coup, je vais juste faire hola. Je vais pas faire d'intro parce que je vais parler en me maquillant pour expliquer un petit peu le pourquoi. Pourquoi, tout simplement. Je vais faire un maquillage pas du tout portable, vraiment. Enfin, moi, c'est un maquillage que je pourrais porter tous les jours parce que je m'en fiche. Mais c'est pas du nude quoi, c'est assez spécial. Je ne sais pas non plus si ça va bien donner parce que je l'ai pas encore essayé. C'est un maquillage que j'avais eu comme idée pendant la nuit, du coup j'avais dessiné sur une feuille. Mais du coup je ne sais pas si ça va bien donner ou pas. Alors là en fait je vais me challenger moi-même pour essayer de me maquiller et de parler en même temps. Ce qui va être très compliqué parce qu'en général quand je me maquille, je suis juste concentrée sur mon maquillage et je parle pas. Moi je commence par les yeux parce que comme ça si j'ai des chutes, y a pas de souci. Donc là je vais juste commencer à unifier un petit peu les yeux avec une palette NYX de correcteur. Donc j'utilise la teinte de correction, donc vraiment celle d'en dessous ici, parce que je n'ai pas de correcteur pour l'instant, enfin de d'anti-cerne, ni rien de tout, ni de base. Alors en fait, je vais utiliser, à mon avis dans beaucoup de mes vidéos, si j'arrive à continuer les vidéos surtout, j'ai une nouvelle palette, toute colorée, et je suis trop contente parce que c'est ce qui me manquait dans ma collection entre guillemets, parce que j'ai pas tant de trucs que ça, pour pouvoir m'amuser réellement avec des maquillages un peu plus spéciaux que juste du nude. Et du coup, je m'amuse beaucoup depuis que j'ai, donc ça fait 2-3 semaines que je l'ai. Merci Thomas si tu vois cette vidéo. Donc je vais juste mettre du jaune, c'est vraiment le jaune jaune, il n'y a pas plus jaune. Et donc ça je vais juste le mettre en espèce de forme, comment je vais faire ça? Vous allez voir en fait, c'est vraiment forme à allongée vers l'extérieur et un peu cut crease, juste du jaune. Vous allez comprendre pourquoi je vais faire ça comme ça. Qu'est-ce que je dois expliquer? Alors oui, je vais commencer donc, je vais essayer de reprendre un peu les vidéos sans me prendre la tête, juste faire ce que j'aime bien, c'est-à-dire me maquiller et montrer peut-être des choses, juste ce qui me plaît en fait de faire. Mais du coup, moi ce qui m'embête en fait dans les vidéos, c'est un peu pour ça que j'ai arrêté, c'est le montage. J'ai vraiment du mal avec le montage, ça m'ennuie de me regarder une deuxième fois. Et du coup, je vais dire beaucoup eux, mais c'est le moment où je réfléchis à ce que je suis en train de faire et de ce que je dois dire. J'aime pas le montage, j'ai vraiment du mal à faire du montage qui me plaît et à pas m'ennuyer quand je le fais. C'est quelque chose que j'ai vraiment envie d'essayer de faire le plus vite possible, alors que filmer, j'aime bien. Et donc c'était ça le problème. Et de chercher des musiques aussi, ou le droit d'auteur, enfin ça va pas poser de problème, ou la musique est pas trop nulle, pas trop boum 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 parce que j'aime pas trop. Enfin c'est toute cette partie là, moi c'est quelque chose qui m'énerve et j'aime vraiment juste me maquiller et le montrer parce que à un moment je fais du maquillage et je bouge pas de chez moi et ça m'ennuie parce que j'ai des beaux maquillages et voilà. Et du coup c'était la raison pour laquelle j'avais arrêté parce que ça m'énervait de faire ça et aussi j'ai aussi du mal à parler devant la caméra. Beaucoup de fois j'avais juste envie de me maquiller mais de pas parler et juste d'écouter ma musique ou d'écouter mon, enfin de regarder ma série, mon film ou quoi que ce soit. Et du coup là j'ai décidé que j'allais essayer de reprendre parce que je dois attendre mes résultats d'examen. Mais du coup avec certaines conditions que je me pose, c'est de pas me prendre la tête sur le montage, sur la musique ou quoi que ce soit. Il y a aussi la barre d'infos. J'ai vraiment du mal, j'ai toujours même du mal sur mon Instagram à moi. Je mets jamais de description parce que je sais jamais quoi mettre et ça m'énerve. Et par exemple à chaque fois quand je disais dans les anciennes vidéos que les produits j'allais mettre en barre d'infos, c'était la partie qui m'ennuyait vraiment, ça me faisait chier. Désolée pour les mots mais ça m'énervait réellement et du coup là je pense que je vais juste vous montrer les produits. Et si vous voulez savoir c'était quoi et que vous n'avez pas retenu ou quelque chose comme ça ou je ne l'ai pas dit, vous pouvez me le demander en commentaire, ça y a aucun souci, je réponds en commentaire. Oui, donc là la condition ça va être, je me fais juste, je filme quand j'en ai envie, ce que j'ai en envie et je m'en fiche de si c'est pas parfait ou quoi que ce soit.
Donc là, à mon avis, il n'y aura pas de son non plus sur la vidéo à part moi. Enfin, il n'y aura pas de musique en fond. Parce que j'ai pas envie de me casser la tête avec ça non plus. Et c'est juste pour commencer. Enfin, j'ai peut-être commencé avec des vidéos très basiques. Et puis, au fur et à mesure, ça va me plaire un peu plus. Et j'ai enfin, un peu plus joué sur le montage. Mais là, j'ai juste envie de recommencer petit à petit. J'ai beaucoup de personnes qui à chaque fois, enfin qui regardent mes vidéos, enfin en tout cas ce qu'elles me disent, et qui me demandent toujours pourquoi j'ai arrêté, et qu'ils aimaient bien, enfin qu'elles aimaient bien et tout ça. Et à chaque fois ça me booste à essayer de recommencer en me disant, bah, du coup qu'il y avait des gens qui aimaient bien quand même. Mais du coup juste pour moi, parce que j'aime bien stocker mes maquillages. Et du coup, ben là, c'est ce que je vais faire, je pense, avec les vidéos. Même si je ne vais pas retracer la forme au concealer, je vais essayer sur un œil. Sinon, ben, je recommencerai tout. Donc, je prends un petit pinceau et toujours la même palette. Et en fait, je vais juste retracer vraiment la forme pour que ça soit bien net avec un concealer. La prochaine étape, ça va être d'essayer de faire des espèces de liner qui font plus ou moins la même forme mais en décalé. Donc là je pense que ça va être décalé vers le haut et genre ça va s'arrêter à l'avant. Je sais pas si vous avez compris ce que je voulais dire. Donc ça va faire une pointe en fait jusqu'à au-dessus de la vraie pointe et avant la vraie pointe. Et la ligne ensuite elle va faire ouais elle va faire ça je pense. Alors vous allez voir, ça va être plus explicite si vous voyez les images. Du coup je vais utiliser la teinte encore déjouée de chez NYX en liquide suède. Donc c'est une espèce de orange et rose. Et je vais le faire. Je vais vous montrer, faire l'autre œil et après je vais vous reparler. Voilà, donc j'ai fait, je sais pas si vous voyez bien, les liners au-dessus mais un peu plus étroits, mais plus large comme ça. Je sais vraiment pas si c'est clair. Mais donc voilà, j'ai fait ça. Mais donc en fait c'est encore une fois une raison de pourquoi j'ai arrêté. Je vais prendre un petit pinceau pour vous expliquer ce que j'ai envie de vous expliquer en faisant l'étape suivante. Donc je vais prendre juste un pinceau où il y a déjà du bleu. Je vais prendre cette couleur là, ici, donc un espèce de bleu turquoise, enfin bleu vert, je suis pas forte pour expliquer les couleurs. Un des problèmes que j'ai aussi c'est que du coup mon miroir n'est pas au bon endroit pour que je puisse faire mon racine. Ouais, bon là je peux le faire. C'est que j'ai pas envie de dépenser trop mon argent dans plein de make-up parce que bah, déjà j'ai pas la place dans ma chambre. J'ai pas envie de dépenser plein d'argent dans plein de palettes différentes et plein de nouveautés surtout pour avoir du contenu pour les vidéos. Parce que bah, j'ai aussi un peu, pas une phobie, mais ça me fait, j'aime pas avoir plein de produits, enfin plein de trucs que j'utilise pas chez moi. Genre je suis pas du tout une collectionneuse. J'ai même les vêtements, je fais souvent des tripes quand je mets pas les vêtements, je les donne à des amis ou des trucs comme ça. Et le maquillage, j'essaye vraiment de me limiter. Et du coup, bah, j'ai l'impression de ne pas être. Comment on appelle ça? J'ai l'impression de ne pas avoir le droit de faire des vidéos maquillage, du coup, vu que j'ai pas. De nouveaux produits tout le temps, j'ai pas tous les nouveaux produits à chaque fois parce que, enfin c'est même très très rare que j'ai un nouveau produit parce que j'en ai pas besoin et donc je les achète pas et que j'ai vraiment suffisamment avec ce que j'ai et du coup ben, je me sens pas légitime en fait de pouvoir faire des vidéos. C'est très bête je sais mais ça m'ennuie et aussi le fait de pas. Par exemple là j'aimerais bien avoir un vrai truc de liner pour pouvoir faire ça. Mais le problème c'est que ben, j'ai pas acheté un truc de liner rose pour quelque chose que je vais utiliser une fois. J'aime bien acheter quelque chose que je vais utiliser, enfin que je sais bien que je vais assez utiliser pour le vider. Et donc il me faudrait en fait toutes les couleurs, sauf que j'ai pas envie de me retrouver avec toutes les couleurs parce que je vais pas toutes les utiliser tout le temps. Et ça m'ennuie. Je suis en train de faire un make-up de je sais pas trop bien quoi, on dirait un truc de petite fille. C'est pas grave parce que c'est pas le maquillage qui est vraiment important dans la vidéo là. Et du coup ben, ça m'ennuie à chaque fois, ça me frustre de pas avoir le rendu que j'aurais bien voulu avoir. Par exemple là c'est pas net comme j'aurais voulu que ce soit parce que j'ai pas un truc de liner comme il faut quoi. Mais donc là ben, si je continue les vidéos vous allez souvent voir les mêmes produits et c'est ça qui m'ennuie. Mais
c'est juste que je suis étudiante, que j'ai pas mon argent à dépenser dans tout le maquillage et tout ça. J'ai pas envie de dépenser tout mon argent dans du maquillage parce que j'ai assez avec ce que j'ai. Et du coup, je pense que je vais juste proposer des make-up et selon les couleurs et pas selon le produit que j'utilise en tant que tel. Et voilà. En fait, j'ai l'impression que le maquillage est pas intéressant si c'est pas parce que je suis en train de montrer une nouveauté. Et alors que moi, en soi, la plupart du temps, quand je clique sur des vidéos de maquillage avec une nouveauté, c'est pour voir le make-up et pas pour la nouveauté en tant que telle. Mais je sais pas si les gens sont comme ça ou pas. Donc, vous pouvez me le dire, genre, même par message sur Instagram pour être anonyme. Enfin, pas anonyme, mais pour pas que les gens le voient ou spécialement ou quoi que ce soit. Donc, mon Instagram, c'est Sunictoscope comme le nom de la chaîne. Mais du coup, je sais pas quoi faire par rapport à ça. Et mon maquillage là me plaît pas trop pour l'instant, mais peut-être qu'avec les fossiles ça va le faire, parce que quand tu rajoutes des fossiles sur le maquillage, ça fait toujours bien. Là j'utilise toujours la palette de chez MYX, donc je mélange celui que j'ai utilisé tout à l'heure sur mes yeux avec un tout petit peu du plus foncé à côté pour essayer d'avoir la couleur de ma peau, et j'en mets vraiment juste là où mes cernes sont un peu plus foncées, donc c'est à dire là et voilà. Et puis je corrige les endroits, donc là j'ai corrigé mon nez, les rougeurs que j'ai sur mon nez. Là j'ai poudré donc avec une poudre essence, la Matifine Compact Powder, qui est toute cassée. Le blush, je vais utiliser le rose que j'ai ici. Vous voyez par exemple cette palette là, ça fait je sais pas combien d'années que je l'ai et je l'use et je l'use et elle se vide pas et donc j'ai pas... Enfin c'est toujours celle là que vous voyez en vidéo et ça m'ennuie. Toujours pareil de la même et ça m'ennuie pour vous en fait. Et donc là je vais utiliser Justify My Love, donc c'est juste un rose et je vais peut-être le mélanger un petit peu avec le bronzer parce que rose comme ça j'aime pas. Du coup je vais en mettre juste sur mes joues. J'ai l'impression de faire un maquillage genre bonbon, pas que ça me déplaise mais ça fait bizarre, je me suis jamais vue maquiller comme ça. Voilà, du coup je vais quand même en mettre une petite dose parce que ça part toujours très vite et j'en mets un petit peu sur mon nez. Je vais en mettre un peu là aussi. Je vais mettre le Chocolate Soleil, donc juste un bronzer tout simple de la palette Too Faced et je fais juste un peu réchauffer mon teint. J'en mets encore une fois un peu sur le nez pour faire semblant que j'ai bronzé, ce qui n'est pas le cas vu que ça fait 3 semaines que je ne sors pas. Oui, bon, du coup, pour terminer la vidéo, je vais vous parler de ce que je compte faire. Parce que donc là, je viens de terminer pratiquement mes examens. Il m'en reste plus qu'un, comme j'ai dit tout à l'heure. Et donc, j'adore m'occuper pour avoir mes résultats. Et je vais mettre mon highlighter. Donc, ça va être le Champagne Truffle. Donc, un espèce de rosé. Sauf que du coup, ça va pas passer vite, il me semble, dans ma tête. Donc j'essaie de trouver des activités, d'où essayer de recommencer les vidéos parce que c'est quelque chose que j'y pense souvent et j'ai envie de recommencer du coup. J'en mets sur mon nez. Je vais prendre un petit pinceau en boule et prendre un highlighter doré de la palette NYX Love Contour All. Donc je vais juste prendre le doré. Est-ce que je pense que je vais humidifier le pinceau avec la brume MAC Fix Plus et je vais mettre du coup dans le coin interne, donc un petit peu en pointe pour retirer un peu plus l'œil. Pour les cils, je vais juste mettre déjà une couche de I Love Extreme de chez Essence, donc le mascara noir. Moi c'est pas le, c'est le non waterproof, et donc je vais juste mettre une petite couche parce que je vais mettre des faux cils. Pour les faux cils, j'ai fait une petite razzia chez Primark parce que je sais pas du tout lesquels je vais mettre cette fois-ci. Je vais essayer d'en essayer des que j'ai jamais mis. Parce que là, pour l'instant, ce que je préfère, c'est les Full Look. Et j'aime bien aussi les Winged. Je sais pas le dire. C'est juste en fait naturel, genre là. Et puis, il y a juste un peu en papillon comme ça. Enfin, plus fourni sur le coin externe. Mais ça, du coup, je les ai déjà essayés. Ça, c'est des nouveaux que je viens d'acheter. Je pense que je vais déjà te mettre celui-là. Donc là c'est des trois quarts fossiles gérés et là c'est des demi, donc juste pour mettre en coin externe parce que ça c'est vraiment les trucs que je préfère et c'est super facile à mettre.
Les seuls trucs qui sont très longs et très 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 longs en fait. Et puis il y a les exaggerate qui sont encore très longs et encore plus fournis, mais un peu plus longs sur les points externes. Et puis il y a les 3D ailures qui sont à 3€ ceux-là et ils sont beaucoup plus fournis, enfin beaucoup plus qualitatifs on va dire. Mais ils me font peur en fait. Je pense que je vais mettre les exaggerate. Donc je vais juste les mettre vite fait. Voilà, je sais pas ce que j'en pense. J'ai dû faire un trait d'eyeliner parce que ça c'est vraiment très bizarre. Sauf que je peux pas faire un trait d'eyeliner là-dessus et du coup ça fait bizarre. Du coup je suis pas satisfaite de ces fossiles spécialement parce que ils sont fort gros. Peut-être pas pour ce make-up en fait. Là ça va pas, il faudrait un vrai trait d'eyeliner bien gros. Ça a coupé pendant que je mettais le rouge à lèvres, donc j'ai mis le Clarins Instant Light, je sais pas la couleur. Et il reste plus que le mascara dans ras de cils. Et j'ai enfin terminé, j'espère que la vidéo a pas été trop longue, je suis désolée. Donc désolée pour mes cheveux, ils sont vraiment en bataille, mais je dois les laver demain. Donc là j'ai terminé, et voilà, donc le résultat final. Je vais voir en même temps que vous ce que ça donne, parce que j'ai pas mes lunettes, donc je vois pas grand chose sur la vidéo. Donc j'espère que ça vous a plu et que j'ai pas trop parlé ou que ça vous a pas ennuyé. Donc je mets juste le close-up maintenant. Donc comme vous voyez, j'ai pas réussi à cacher ma petite tache rouge là. Et voilà, ça donne ça. Donc voilà, j'espère qu'il vous plaît quand même. Je vais pas mettre un petit pouce parce que bah, ça va m'aider à savoir si ça vous plaît ou pas. Et à commenter ou m'envoyer un message sur Instagram pour me dire, enfin me donner des conseils par rapport à ce que j'ai dit ou quoi que ce soit. J'ai plus rien à dire, donc j'espère que je vais après filmer encore des nouvelles vidéos et j'espère qu'elles seront plus courtes que celles-ci. Du moins je vais essayer et ben, je vous dis à la prochaine.